Si on te demande de calculer cosinus de 0,3 sans calculatrice, comment tu vas procéder pour y arriver? On va voir aujourd'hui une méthode très spéciale pour pouvoir trouver la réponse. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme de 6e secondaire. Nous allons voir aujourd'hui une notion qui est très spéciale, qui s'appelle le développement en série de Taylor et McLaurin. On va faire ici une étude du cosinus. Cosinus autour de 0. C'est-à-dire ici qu'on prend la partie de cosinus entre moins 4 et 4 et on se concentre un petit peu autour de l'abscisse 0. Le but ici, ce sera de trouver une fonction, donc une courbe ici, qui pourrait épouser les formes du cosinus. C'est-à-dire qui pourrait remplacer la fonction cosinus dans son allure. On voit ici une droite verte. La droite verte, est-ce qu'elle peut remplacer cosinus? Non, elle n'a qu'un seul point, elle n'est pas vraiment compatible. Prenons une autre droite, s'il vous plaît, une autre proposition. La courbe jaune, elle ressemble un petit peu, mais ce n'est pas encore ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une fonction polynomiale. Une fonction polynomiale qui va avoir quelle forme? Qui aura cette forme-ci. P de x a pour équation y est égal à a plus bx plus cx carré plus dx cube, et on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Pourquoi un polynôme? Pour plusieurs raisons. Première chose, le polynôme est facile à intégrer. Ensuite, le polynôme est facile à dériver parce que on peut dériver terme après terme. Le polynôme est aussi facile pour trouver son image. Donc, ce qu'on va faire pour faciliter le calcul ici, c'est de restreindre le polynôme infini à un développement qu'on appelle d'ordre 2 ici. Ça veut dire qu'on va prendre seulement jusqu'à la puissance 2. On obtient alors le polynôme P qui vaut donc a, bx, c, x carré. Maintenant, on va faire un abus d'écriture. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire à chaque fois px a pour équation, on va écrire simplement px égale. Donc px égale a plus bx plus cx carré sera donc le polynôme d'ordre 2 du développement qu'on va voir tout de suite. Reprenons ici le cosinus et faisons un petit zoom donc sur la partie proche de 0. On veut donc remplacer le cosinus par le polynôme a plus bx plus cx carré. Ce polynôme est un polynôme qui est généralisé. Ce qu'on va faire, c'est trouver le polynôme particulier. Ça veut dire ici retrouver donc les constantes a, b et c. Pour ça, on va imposer des conditions. La première condition ici, c'est f de 0 est égal à p de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de x égale 0, le cosinus vaut 1. On voit ça très bien ici. Ça veut dire que il faudra aussi que le p de 0 soit égal à 1. Donc on écrit ici, c'est x égale 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici que le px est obligé d'être égal à 1. Ensuite, donc, on a a plus b fois 0 plus c fois 0. Tout ceci nous donne donc une valeur de quoi? Une valeur de a. On obtient donc 1 égal à a. On peut alors réécrire le polynôme avec le a qui a été découvert, donc px égale à 1 plus bx plus cx carré. Donc ce qu'on va faire ici, c'est découvrir la constante numéro 2, donc la constante qui sera le b. Comment faire ça? On va imposer une nouvelle condition. On va imposer ici que les dérivées premières doivent être les mêmes pour le cosinus et pour le polynôme. On prend donc la fonction fx qui est cos de x. On prend de l'autre côté la fonction qui est donc le polynôme px, qu'on peut écrire donc 1 plus bx plus cx carré. On va dériver les deux. Donc on prend d'abord le cos dérivé qui donne moins sin x. On dérive le polynôme qui donne ici b plus 2cx. Ce qu'il faut faire, c'est trouver donc la valeur pour x égale 0. Donc on a moins sinus 0 d'un côté. De l'autre côté, on a donc le p' 0 qui vaut quoi? Qui vaut donc b plus 2 fois 0. Tout ça nous donne
f'0 est égal à 0. De l'autre côté, on a p'0 qui est égal simplement à, je vous laisse trouver, b évidemment. Donc, ici, b est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut réécrire le polynôme avec deux constantes découvertes. On obtient donc px est égal à 1 plus cx carré. Encore une dernière à trouver. Donc, on a encore une seule constante à trouver, qui est donc le c. Pour ça, on va donc imposer une nouvelle condition. On va imposer ici que la dérivée seconde donc, du polynôme soit égale à la dérivée seconde du cosinus. Prenons d'abord les dérivées premières. Donc, d'un côté, on a moins sin x pour f'. De l'autre côté, on a donc p' qui vaut 2cx. On va donc dériver ces dérivées premières pour avoir donc les dérivées secondes. Donc f'' vaut quoi? Il vaut ici moins cos x. Et de l'autre côté, on a donc p'' qui vaut quoi? Qui vaut 2c. On continue. On va prendre maintenant pour les valeurs x égale à 0. Donc on calcule le moins cos de 0. De l'autre côté, on calcule donc p'' 0, donc 2c. On va faire l'égalité. Donc, première chose, f'' 0 est égal à moins 1. De l'autre côté, p'' 0 égale toujours à 2c. Donc, les deux mis ensemble, on trouve que moins 1 doit être égal à 2c. On a une équation ici qui est très simple. On isole le c. Comment? On passe 2 de l'autre côté. Et on obtient donc ici moins 1 demi est égal à c. Voilà la troisième constante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire donc le polynôme de manière complète. On y va. Donc on a px qui est égal à 1 moins 1 demi x carré. On va faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir ici. Donc on a une fonction cosinus x. Cosinus x va être remplacé par un polynôme. Un polynôme qui vaut ici px est égal à 1 moins 0,5x carré. La forme de ce polynôme est celle-ci. Elle ressemble étrangement à cos x. C'est très bien, c'est ce qu'on voulait. On peut donc remplacer cos x par 1 moins x carré sur 2 pour les x proches de 0. Maintenant, cette formule est une formule qui est un développement d'ordre 2. On peut développer encore plus, comme on l'a vu au tout début, c'est-à-dire avoir une formule qui donne des éléments à l'infini. On va un peu décrire ça tout de suite. On va donc revenir sur la formule qu'on a vue tout à l'heure. On a donc vu ici cos x est égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel. 2 points d'exclamation s'appellent le factoriel. On va le voir tout de suite. Tout d'abord, cette formule s'appelle donc développement de Maclaurin de la fonction cosinus x. C'est-à-dire que c'est un développement de la fonction, un développement polynomial lorsque x est proche de 0. Maintenant, 6 factoriel veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on prend 6 fois 5 fois tous les nombres donc en dessous de 6 jusqu'à 1 et on obtient donc 720. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est un développement donc de Maclaurin de cosinus, mais en limitant donc la série à x carré, c'est-à-dire faire un développement d'ordre 2. Donc ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était un développement de Maclaurin pour la fonction cosinus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est généraliser pour n'importe quelle fonction. On obtient une formule donc générale du développement de Maclaurin qui est celle-ci. On a donc fx est égal à quoi? On a premièrement f de 0, c'est-à-dire donc l'image simplement en 0 de la fonction. Ensuite, on prend f' de 0 fois x, qui est donc ici l'image pour la fonction dérivée. Ensuite, on passe à f' qui est la fonction dérivée seconde, f'', qui est la dérivée troisième, et on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Maintenant, c'est à nous de décider de s'arrêter à un développement d'ordre 1, 2 ou 3. On vient donc de voir la formule générale
du développement de Maclaurin pour une fonction quelconque. Donc, fx est égal à quoi? F0 plus f'0x jusqu'à l'infini. Ce qui sera intéressant, c'est de faire un développement non pas autour de 0 uniquement, mais autour de n'importe quelle abscisse qu'on peut appeler A. Ce qu'on va donc faire, c'est remplacer 0 par A. Si 0 est remplacé par A, ça veut dire que x moins 0 qui vaut x ici doit être remplacé par x moins A. Donc, on obtient une nouvelle formule qu'on va appeler ici formule de Taylor. Donc fx est égal à fa plus f' de ax moins a jusqu'à l'infini, comme pour le développement de Maclaurin. À part qu'ici, on développe autour de n'importe quelle abscisse choisie qui vaut a. Passons à l'exercice. Donc ici, on veut déterminer la valeur de cosinus de 0,3. Comment faire ça? Première chose, on écrit la formule de Maclaurin du cosinus. Donc, cette formule est beaucoup trop grande. Ce qu'on va faire, c'est la réduire à l'ordre 2. Donc, c'est-à-dire écrire cos x est égal à 1 moins x carré demi. On continue. X égale 0,3. Donc, on a cos de 0,3 qui vaut 1 moins 0,3 au carré sur 2 factoriel qui vaut simplement 2 ici. On continue. Donc, cos 0,3 est égal à 1 moins 0,09 demi. Ceci nous donne quoi? Nous donne cos de 0,3 qui est égal à 0,955. Pour vérifier cette valeur, on prend une calculatrice et on prouve donc que cos de 0,3 sur la machine vaut en vérité 0,955336. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois premières décimales sont correctes. Donc, bravo. Voilà, on a réussi à trouver la valeur de cos 0,3. Grâce à quoi? Grâce à une formule polynomiale qui a remplacé la fonction cosinus. Ici, c'est une fonction polynomiale qui était limitée à x carré. Donc, on appelle ça développement d'ordre 2. Je vous dis au revoir et à la prochaine séance.